Désolé pour Marco. Nous prenons tous ce genre de risques. C'était mon ami. Un homme courageux. Ce sergent allemand ne l'aurait pas soupçonné d'être un partisan? Je ne crois pas, non. Ce sergent avait l'air stupide. Il vous a salué. Vous n'êtes que caporal, en principe. Ça ne justifie pas un salut dans l'armée allemande. Ni dans n'importe quelle armée. Alors pourquoi vous a-t-il salué, l'Escovar? Je ne sais pas, j'ai réussi peut-être à lui en imposer par mon attitude. Oui, peut-être. Vous dites que ce train va à Sarajevo directement. Oui. Et sur la carte, il me semble que nous passons à moins de 600 mètres du barrage. Curieux que vous ayez évité de mentionner ce détail. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Un imbécile me salue quand je lui parle. Je ne mentionne pas que le train passe près du barrage. Il y a un instant, vous avez dit que Marco a dû se trahir. Mais ce n'était pas ça. Cette trahison était plutôt un sacrifice. Le sacrifice de sa vie. Pourquoi nous avez-vous trahi, l'Escobar? Vous croyez que je suis un traître? C'est ça. Je ne le crois pas. J'en suis sûr. Depuis mon arrivée. Mais je n'avais aucune preuve. Vous êtes Nikolai. Vous êtes l'homme qui nous a vendus à Navarone. Merci, mon colonel. Je fais votre travail. Aidez-moi pour le mien.